Salut tout le monde, c'est Daishi-sama, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, je vais nickel et aujourd'hui, une nouvelle vidéo assez spéciale. De toute façon, vous l'avez vu, le titre de cette vidéo, ça va être tout simplement Adieu Nikki Larson FR Manga. Donc, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, de vous abonner et de partager. Franchement, ça me fait super plaisir. Mais surtout, 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 de commenter cette vidéo en bas dans la vidéo. Donc voilà. Surtout de commenter cette vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de votre opinion. J'ai besoin de votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez, etc. Mais attention! Attention! Mettez votre opinion à la fin de cette vidéo. Voilà. Donc vous regardez de A jusqu'à Z. Et là, c'est là que vous donnez votre opinion. Si vous donnez votre opinion de un exemple de la vidéo a fait 10 minutes et vous donnez votre opinion à 5 minutes, ça ne va pas. Donnez votre opinion du début, vous regardez du début jusqu'à la fin de cette vidéo et là, après, vous donnez votre avis dans les commentaires. Donc voilà. Mais franchement, ça me fait super plaisir si vous faites ça. Si vous faites pas partage, etc. Balek, hein. L'important, c'est les commentaires. Donc commentez. Voilà. Donc voilà les amis. Pourquoi bah il y a eu pourquoi Adieu Nikki Larson, pourquoi j'ai changé de nom, pourquoi j'ai changé de logo. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas passer vers quatre chemins. Vous le savez bien. Qu'est-ce qu'il y a eu par avant? J'ai fait c'est vrai 10 000, 10 000, 10 000. On va dire projet sur ma chaîne YouTube. Par rapport au futur, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et ça tombait à l'eau, ça tombait à l'eau, n'importe lequel. Il y a juste que ça a tenu le coup. C'était par rapport que j'allais changer de contenu, faire des animés des années 80, 90, mais ça tombait à l'eau parce que, cause de YouTube, etc., c'était la misère, donc voilà. Enfin bref, on va parler déjà. On va dire étape par étape, on va faire. Parce que si je parle du nom et je pars après, qu'est-ce que je vais faire? Bah, ça va pas aller. Parce que vous allez dire, tu t'attaques sur tout et n'importe quoi. Donc voilà. Au cas où, cette vidéo va être un petit peu longue. On va faire, je pense, allez, en grosso modo, peut-être maxi 20 minutes. Donc voilà. Parce que ça me tient à cœur. J'ai envie que prendre. Voilà, j'ai pas envie de me précipiter, etc. Voilà. Pour vous. Voilà, pour vous parler, etc. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je suis voilà, zen, tranquille, etc. Donc voilà. Voilà. J'espère que vous êtes bien installé, etc. Voilà. Par rapport au nom. Alors, pourquoi j'ai changé le nom? Mon ancien nom, c'était Nikki Larson FR Manga. Donc tout le monde est d'accord. Maintenant, mon nouveau nom. Désormais, donc ça va être maintenant toujours. Voilà. J'espère, avec ma main, je touche le bois. On voit pas le bois, mais bref, on s'en bat les couilles. Mais j'espère que ça va tenir. C'est le nom maintenant, il s'appelle Daishi-sama. Pourquoi j'ai changé de nom? Parce que ça me donne un trait par rapport au passé vers mes vidéos. Attention! Attention! Vous allez dire, t'as, c'est du. Bah alors vous allez dire ouais mais c'est du mauvais qu'est-ce que t'as fait ou c'est du contenu que t'as pas aimé et c'était juste pour nous faire plaisir. Ça, on va voir ça après. Je vais pas vous spoil mais on va voir ça plus tard vers la vidéo. Déjà vers le nom, on va dire j'ai changé de nom, c'est pour faire un trait pour faire voilà pour un nouveau départ. Et aussi le nom Nikki Larson FR Manga. Voilà pour moi. J'avais pas marre de ce nom, mais en fait, quand je postais des épisodes, je me rappelle par avant de Nicky Larson ou les films, etc. Ils croyaient que les gens, que j'étais la chaîne officielle de Tsukasa Audio. Tsukasa Audio, je sais pas si vous connaissez, c'est le créateur de Nicky Larson et Angel Art, etc. Voilà, c'est lui qui a créé. Enfin bref, voilà, ils croyaient que j'étais. Voilà, un ouvrier de là-bas, de Tsukasa Audio, où j'avais les droits, etc. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Je suis. Voilà, je suis une personne normale, comme tout le monde. Et que, en fait, j'ai ni les droits, j'ai ni rien, etc.
Et c'est normal que vous voyez maintenant par la suite les vidéos de Nicky Larson, donc les épisodes, ils s'effacent de peu à peu. Pourquoi? Parce que bah tout simplement, à cause de YouTube par rapport à les droits d'auteur. Mais ça, on va voir ça aussi un peu plus tard. Donc voilà, comme j'ai dit, bah voilà, enfin bref. Voilà, je voulais changer de nom parce que donner un trait par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me confondaient que j'étais l'officiel de chez Nicky Larson, etc. C'est sûr, de toute façon, si vous voyez que c'est pas officiel vers une chaîne, si vous voyez pas One Piece officiel, etc. Attention, attention, il y a beaucoup de personnes qui prennent le mot officiel, etc. Mais normalement, vous voyez à côté du nom, normalement, vous voyez une sorte de frication, une sorte de boule, un truc comme ça. Je sais que il est bizarre la boule, mais vous m'avez compris. Voilà, c'est une sorte de frication que il y a une petite encoche, dire que c'est l'officiel, etc. Moi, pas du tout, je suis pas l'officiel, je suis rien, etc. Donc voilà, je suis juste un grand fan de City Hunter, Angel Art et Cat Size. Point barre, c'est tout. Donc voilà pourquoi je change de nom. Voilà, maintenant vous savez, pour un nouveau avenir, un nouveau truc, et voilà, tire un trait sur ça. Maintenant, je vais vous parler du contenu. Donc maintenant, faut être attentif, parce que si vous aimez bien ma chaîne, etc., faut être vraiment attentif. Désormais, mes vidéos que j'avais fait que sur du City Hunter, Angel Art et Cat Size, ça va être fini. Ça va être fini vers le sens que je vais rester toujours, toujours, je vais faire toujours du contenu manga animé. Donc ça peut être question One Piece, Dragon Ball, Fairy Tail, Marshall, etc. Ça va être toujours. Ça va toujours être dans le même truc. C'est toujours dans le même cercle, si vous voulez. C'est toujours dans le même cercle, etc. Je sais, le cercle est bizarre. Mais voilà, vous m'avez compris. Ça va être toujours dans le même truc. Et puis voilà, parce que les mangas animés, j'adore, c'est ma vie, c'est ça que j'adore, voilà, c'est le truc que j'adore, c'est tous les jours je regarde des animés, mangas, etc. J'adore. Donc voilà. Donc voilà, je vais faire plusieurs. Et donc bien sûr, vous allez dire, ouais, mais oui, c'est bien beau, tu vas faire des vidéos manga animé, mais sur quoi précisément? Bah en fait, faire des reviews par rapport à des mangas, même des scans, des quiz, des jeux vidéo manga animé, surtout sur le jeu Dokkan Battle sur mobile et des BZ les gens, parce que ça me tient vraiment à cœur et ça c'est sûr que je vais faire des vidéos dessus, faire des challenges, prendre une team. Une team qui a dépassé, tu vois, une team dépassée sur Dokkan et peut-être battre la red zone, faire un truc de bien, tu vois, etc. Ou soit, est-ce que c'est possible, prendre une team, voilà, une team ancienne, qu'il n'y a pas de ZDLR, ou soit une team sous-côté, que personne n'utilise, tu vois, plusieurs choses, moi ça me plaît, etc. Voilà, et on revenons à nos moutons par rapport à les vidéos Nicky Larson, etc. Ces questions, voilà, moi c'est. En fait, c'est un contenu que j'aime bien faire des vidéos Nicky Larson, j'aime bien, mais on fait vite le tour. On fait vraiment vite le tour. C'est. Vous allez dire, ouais, mais normalement. Normalement, t'as beaucoup de projets à faire. Normalement, t'as beaucoup de vidéos à faire vers Nicky Larson, vers Angel Art, vers aussi. Ouais, voilà, tout simplement vers Cat Size, etc. Donc voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais pas assez. Vraiment pas assez, les amis. Voilà, c'est normal que je change de contenu parce qu'il n'y a pas assez. Parce que si je reste toujours dans le thème Nicky Larson, Cat Size, etc., ça va être la même chose, la même galère. Cette façon de parler, c'est je vais tourner autour du pot et je vais laisser les jours, non, les heures, les jours, les mois, etc. Et vous allez voir que la chaîne va être en suspens. Moi, je veux plus de ça, je veux que ça continue, je veux que voilà, etc. Bien sûr, attention, ça peut être comme avant, deux vidéos par jour ou soit une vidéo par jour, etc. Ça va être fini, ça va être
peut-être une ou deux vidéos par jour sur la chaîne. Ça va être officiel, une ou deux jours par jour par rapport à ma chaîne, etc. Parce que voilà, j'ai pas envie de me forcer par rapport à faire des vidéos, etc. J'aurais faire à mon aise, etc. Donc voilà. Mais vers le sens, attention, je le répète aussi, je vais faire à ma sauce les vidéos. Disais pas que, c'est un petit peu bâclé, etc. Non, c'est pas question, j'ai pas envie, c'est pas question, j'ai la flemme à faire les vidéos, etc. Au contraire, j'adore faire les vidéos, etc. Donc voilà, mais vers le sens, moi je vais parler à ma façon. Donc je vais parler à ma façon, bref, etc. Parce que quand je vois, je critique pas, attention, c'est pas une critique. Ces questions, les youtubeurs manga animés, les youtubeurs manga animés, même sur TikTok, ils décrivent comme un poésie, comme on est à l'école. Bon, Jean-Louis, il a cherché sa baguette ce matin, etc. Faut qu'on je... Mais non, sur ma chaîne, il y a pas de ça. J'abrège, etc. Je dis un exemple. Louis, il a cherché sa baguette. Et puis c'est tout. Non, je vais pas dire Louis, pardon. Vous m'avez compris, qui a cherché sa baguette, etc. au magasin. Voilà, je fais pas une poésie, etc. Moi, j'en fais me partir, faire à part et faire qu'est-ce que ça me guise, qu'est-ce que ça me chante, etc. Donc voilà, je sais que ça va être très difficile pour les plus anciens à s'habituer. Je sais que ça prend du temps. Je sais que je vais avoir peut-être des critiques. Je les prends, à défaut des critiques, ça voit vers le sens, c'est-à-dire, putain, ce mec, il change 36 000, ou ça, t'es dit, de contenu, de projet, etc., tu vois, qui tient pas en compte, etc., je m'en fous des critiques, franchement, venez, c'est la... excusez-moi, venez, c'est la porte ouverte, face au parler, venez, donc voilà, je sais que... vers certaines personnes, je sais qu'ils vont pas critiquer, même personne. Je sais que vers ma précédente vidéo, je vous ai dit, si vous voulez critiquer moi dessus, cracher moi dessus, etc., je mérite. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de personnes, qu'il y a eu beaucoup, j'ai vu beaucoup de commentaires positifs, excusez-moi, et je vous remercie au fond du cœur. Je sais que vous avez dit, etc., il y avait un, il y a du ouais, etc. C'est vrai qu'on en a marre, etc. Moi, je les prends. Moi, je dis rien. Je suis pas un gamin à supprimer, etc. Et même par la suite, il y a des commentaires négatifs, etc. Hein. Désolé de dire pour le terme, mais je veux dire, je m'en bats les couilles. Parce que vers le sens, si on s'inquiète de tout, n'importe quoi, on va jamais avancer, on va tout le temps reculer, ou soit rester dans le même truc, dans le même surplace, on va pas avancer, et ça je sais. Donc c'est pas peine de faire du dessin, etc. Je sais. Faut pas être totoche ou être con, ou soit à côté de la plaque, pour savoir que voilà, que faut pas répondre à ça, etc. Donc voilà. Mais voilà, revenons à nos moutons par rapport à les vidéos, manga, animé, etc. Je vais faire de mon mieux, je vais faire un massos, etc. Et puis voilà, comme je vous ai dit, un peu précédemment vers la vidéo, je vous ai dit que par rapport à changer de nom, etc., ça va être un impact sur la chaîne, parce que c'est pour présenter que... Voilà, c'est pour présenter que... Je veux pas dire que c'est fini City Hunter Nicky Larson, mais on va dire ça grosso modo, parce que, vous savez bien, il n'y aura pas que du City Hunter, maintenant il y aura du Dragon Ball, etc. Parce que j'allais faire une chose... j'allais faire une chaîne d'anime manga, etc. Donc, voilà. Donc, si vous voulez plus de trucs, plus d'informations... Dites-moi dans les commentaires. Voilà. Avec les posts. Donc voilà, franchement, dites-moi dans les commentaires. Donc voilà. Donc, aussi, pourquoi j'ai changé de logo? Tout simplement,
faut pas être stupide. Faut pas être stupide aussi. Laisser le logo Nicky Larson et que je fais d'autres contenus, etc. D'anime manga, que je fais Dragon Ball Fighter. Je pouvais le laisser, mais pour moi, c'est con. Parce que c'est con, parce que c'est multi. Multi. Vidéo animé manga, etc. Et aussi, j'ai pris un logo que. Ça. Je veux pas dire que ça me correspond à 100%. Je sais que. Je ressemble pas vers la photo et vers ma tronche de cake. Ça suit pas. Déjà, je pense que vous allez supporter longtemps ma tronche de cake. Oui. Avec Bigleux à lunettes, avec un gros casque là qui prend toute sa tête, vous allez être habitué. Vous allez être habitué, mais vous allez voir avec cette tête, on va dire de binoclard et avec son gros casque, on dirait que il va gâcher toute la tête. Vous allez voir que cette personne, il va faire du sale. Il va faire du sale et puis voilà. Mais vers le sens. Vers le sens, voilà, je vais faire les choses très très bien, très très propre, et puis voilà. Le logo, on va revenir à nos moutons, parce que c'est vrai que je pars ailleurs. Par rapport au logo, voilà, j'ai pris ce logo parce que ça me correspond un peu, et aussi, j'aimais bien aussi ce logo. Donc voilà, j'ai pas d'autres sujets à dire, etc. Donc voilà. Mais non, mais vers le sens, sur mes vidéos YouTube, je vous ai promis plusieurs choses vers mes projets. Que j'allais faire ci, que j'allais faire ça. Cet été, je vais faire du sale, etc. Je vous ai mis une carotte, je vous ai mis un poivron, ce que vous voulez. Mais voilà, je vous ai mis bien mis dans le popotin. Mais là, c'est. Bon, c'est vrai que je les ai mis, je vous ai mis une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et cinq fois. Mais là, excusez-moi pour vos oreilles. Mais là, cette fois-ci, c'est la dernière fois. Me croyez pas. De toute façon, je vais faire mes preuves. Donc, de toute façon, je vais faire mes preuves, etc. Vous allez voir, etc. De toute façon, je vais vous spoil. Je pense ce soir ou demain. Je vais. Petite réaction sur. Sur. On va dire. L'anime Dragon Ball Daima. Donc, on va dire le teaser qu'ils ont dévoilé. Je vais vous donner qu'est-ce que j'en pense, etc. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais être actif désormais. Il y aura. Comme j'avais dit, une ou deux vidéos par semaine, donc le vendredi et samedi, ou soit juste le dimanche, ou soit que le samedi, donc une ou deux vidéos par semaine, je répète, et donc ça tombe un dimanche ou un samedi. Donc voilà. Donc voilà, je vous ai tout dit par rapport pourquoi je change de nom, pourquoi je change de contenu. Et puis voilà. Pourquoi je change de nom, pourquoi je change de logo, pourquoi je change de contenu. Maintenant vous le savez bien, faut pas faire les mecs étonnés, les mecs les personnes choquées à dire ouais, Nicky Larson est fait un manga. J'ai tellement l'habitude encore. Dashi-sama, ouais. J'aurais dû prévenir, etc. Nanani, nanana, je sais que j'aurais dû prévenir, etc. Et de toute façon, comme je redis, faut pas faire les personnes choquées à dire ouais, Daishisama, je suis un peu choqué, tu changes de tête aux pieds, ton contenu, normalement, cette espèce a été Nicky Larson et fait un manga. Moi, je vais être droit au but. Si vous n'êtes pas content, vous savez quoi faire. Voilà. Vous savez quoi faire. Je sais que c'est très malhonnête de vous parler vers. Vous parlez comme ça, mais voilà, à un moment donné aussi, ça se voit pas parce que c'est vrai que ça va faire 2-3 mois que j'ai plus fait de vidéos. Mais voilà, vous êtes au courant que c'est la galère par rapport à YouTube, que je postais, j'ai fait des autres contenus hein, sur la chaîne. Il y avait pas que John Gellart, du Cat Size, etc. Il y avait des animés style 85, 90, mais malheureusement ça tombait à l'eau. Pourquoi? Par rapport à YouTube qui mettait des strikes, etc. Parce que ça me plaisait aussi à faire ça. Mais malheureusement, trop de montage, etc. Je vais vous donner un petit anecdote. J'avais fait la vidéo à midi ou à 13h. Une ou 2 heures plus tard, j'étais en appel Discord avec mon pote. J'étais en train de faire le montage. Mon pote, il était sur GTA, il m'a dit, ouais, tu veux pas aller sur GTA, etc.
Moi, j'ai dit non, je suis occupé à faire la vidéo. Il me dit ah, ok. Donc, j'avais fait ouais, 14h. 14h. Et après, 2h plus tard, à 16h, il me dit ouais, mais tu veux pas? Je dis non. 18h. Ouais, tu veux pas? Non. Pourquoi? Ma vidéo n'était pas faite. Les montages n'étaient pas faits. Parce que les vidéos de 20 minutes, chaque. Bah, on va dire chaque une minute, bah, j'étais obligé de faire des coupures. Donc voilà, j'étais obligé de faire des coupures sur la vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y avait des droits d'auteur. Parce que c'était un contenu que c'était pas à moi par rapport à les épisodes. J'avais fait des. J'ai fait une réaction sur l'épisode de Saint Seiya. J'en ai chié des bulles. Hein. J'en ai chié des bulles. Tous les montages, parce que ça se voit pas, etc. Parce que c'est clean, parce que j'ai pris bien mon temps. Mais je sais pas si vous voyez bien, vers une séquence, j'avais mal coupé un peu, etc. Parce que j'avais marre un peu. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais tous les 1 minute, on fait des coupures. Clac, 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 clac. Pour comme ça, YouTube ne reconnaît pas l'épisode, etc. Et pas dans jusque 20 minutes, hein. Donc c'était archi long et faut être précis, hein, attention. C'est faut être précis, etc. Parce que moi je suis bien une personne qui prend sa patience, question travail, question école, ce que vous voulez, bref, vous m'avez compris. Mais je suis quelqu'un de patient et puis voilà. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit, etc. Voilà, bref, je vais pas vous dire de dessin, c'était la merde. Par avant, etc. J'ai posté, je me suis fait rocal, etc. Donc voilà. Pour ma part, moi, mon opinion, je trouve c'est ultra bien que je change de contenu parce que je pouvais pas. Je pouvais pas rester comme ça. Je pouvais plus. Donc voilà. Bah voilà, bah j'espère cette vidéo ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Likez, vous abonner, de partager. Mais surtout, limite, on va redire encore une insulte. Limite, je m'en bats les couilles si vous likez pas, vous abonnez pas. L'importance, c'est de commenter cette vidéo. Franchement, commenter, me donner votre opinion. Et franchement, ça me fait super plaisir. Voilà, à vous donner votre opinion, qu'est-ce que vous en pensez, dire, je sais pas, un exemple, dire, ah, le nom, j'aime pas trop, soit, ah, le logo, etc. De toute façon, je pense, j'ai une très belle communauté et une communauté soudée, parce que je pensais pas que la communauté est comme ça, parce que ça fait, je me rappelle, j'avais fait une vidéo que 2-3 mois, je reviens, et ils étaient contents, ils étaient compréhensifs, etc. Donc, ça me fait plaisir. Donc voilà. Donc voilà. Ben j'ai tout dit. Nous on va se retrouver normalement ce soir ou un autre jour, bref. Donc voilà. Allez, sur ce, c'était Nickel Arsène et faire manga. Nickel Arsène et faire manga. Allez. Ah là, je ne sais plus parler. Daishi-sama. Allez. Bye bye.